des menteurs, ça. Ça, c'est des menteurs. PS2, c'est une map, c'est une map de... C'est une map... Après, je connais pas les persos, donc là, je vois... On voit... King ? Non, c'est Bowser Jr. contre ça. Mais il y a Epic King, là. On va voir du prix, on va voir sur Epic, mais si c'est Bowser Jr. contre Sephiroth, j'ai avantage Sephiroth pour... Oui, il sera pas... Inkling, de la part d'Elstroy. Pas... Ok. Enfin, Sephiroth, du coup, comme ok, ça pensait. Sera pas Sephiroth. Inkling. Alors, Inkling, toi, ça pense quoi, toi ? Inkling, c'est dur, hein. C'est, du... c'est ça. C'est... J'aime bien. Ça a été très surcoté à une époque. Mais justement, c'est l'inverse. C'était trop surcoté à une époque. Ouais, ça a été trop surcoté en effet. Les gens ont compris comment jouer contre. C'est ça. Surtout quand on n'avait pas bien compris la méta du jeu, ce qui était important dans le jeu. Inkling, c'était vraiment dans les top tiers. Ah oui. Parce qu'on avait sous-estimé tout ce qui est l'importance de survivre, l'importance de tuer. Et c'est surtout tuer parce que. Et on voit que, du style des petites douilles, on voit que le neutral B d'Inkling arrête le side B de Bowser Junior. Peut-être ça va être un problème dans ce match-up. Alors ça, c'est vrai que ça peut déranger Glow dans ça, parce que ouais. Le side B, c'est vraiment une option très forte, une bonne option de mobilité en plus. Donc vraiment, ça peut être très compliqué. Ok, le side B qui a été trouvé de la part de Glow, est-ce que ça va concrétiser? Glow qui est très patient, qui joue très très patient, très très défensif, qui concrétise bien ses phases d'avantage. Après, on trouve ce rouleau. Ok, le backer qui a été trouvé. Le deuxième backer. La phase d'Edgar. D'Edgar qui va peut-être. Et non. Ok, la ride de roll. Ce sera le sur spot, heureusement pour Glow. On est agressif hein, du côté de Deltroy. On est agressif. C'est un personnage très agressif, ça a vraiment pour but de t'harceler hein, clairement. Ouais. C'est ça, ça te poque, ça te poque. 154, je sais pas ce qu'il pourrait tuer à part le FT et le Bouya. Là, il n'a pas tué le bouillon. Là, le bouillon ne tue pas. Là, oui, il est plus trop là, le bouillon en effet. Là, pour tuer, sera au ledge. Avec... Ou alors même en rouleau. Hein, le rouleau est une très bonne option pour tuer. Quoi qui en effet. Ouh, le on avait prévu que ça allait sauter, peut-être, hein, après, ouais. après le rouleau. Ah, alors le gras, peut-être. Ouais, donc on voit bien que c'était plus trop. Hein, 166. Ah, quand même, si c'était trop, quand même, là, faut se poser des questions. Hein. Donc, essaye de reprendre le contrôle du stage, mais c'est compliqué, c'est vraiment. Du côté de Link, on voit qu'on arrive un peu à maîtriser. Oh, il y a ok, normalement ça tue. Voilà. Voilà, c'est, il mourrait un fou. Là. Ok. À part si t'es un fou de la gâchette et que tu mâches comme personne. Bon, chance que t'aies pas le temps de sortir. Parce que là, il a chargé quand même en plus ce Dance Smash. Hein. Il y avait le temps encore. Le grab qui a été trouvé. Hein. Là, on ride clairement. On a ride les rolls hein, du côté de l'os que j'ai pas pu faire avant. On sent encore un peu de haine pour toi. Ah, et on a. Ah, dommage, je n'arrive pas à punir dans ce monde. On a un bon rouleau quand même. Chase. Ok, le Bouya. On n'est pas acquis de pourcent pour le Bouya encore. Et le petit Bowser Junior qui a un bon désavantage, j'ai l'impression. Hein. Allez, Bowser. Ouais, ça va tuer ça ou pas? Non. Ah, on a... ah, ça s'est pris son canard quand même. Ah, on le tout frame. Le tout frame. On a attendu. Alors, c'est pas le tout frame, c'est vraiment qu'on a attendu, malheureusement. Ok. La patience a ses limites. Ouais, on peut dire ça, oui. Alors, je sens vraiment qu'il y a du mal. Glow n'arrive pas à trouver des moyens de tuer. Il y a du mal. Déjà, il a du mal à avoir le contrôle du terrain. Ah, ce smash et le smash, voilà, qui va quand même enfin tuer. Qui était surprenant, ça sort vite. Sort vite et il tue pas si bon, je crois, mais il peut quand même. Bah, il a quand même tué en vrai des personnages comme Assetab, mais. Ok, la phase de juggle. La phase de juggle qui va passer une king à 70% quand même. C'était très bien vu. Ah, ça, du coup, là, on le connaît, ça, le c'est ça. Bifi B et faire du coup le back air, mais malheureusement, du coup, c'est prévu, c'était shield. C'est assez un petit peu prévisible sur le Bowser Junior malheureusement. Collins. Et le. Je crois le jab qui peut tuer de Glow au ledge. Le jab de Bowser Junior est l'un des meilleurs du jeu. Ouais. C'est un petit truc, si ton jab prend des gants de le canard qui touche. C'est un des meilleurs jabs du jeu. Tu vas tuer. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, non, mais c'est... Il a joué. Ok. Là, il m'avait mis mal. Ça. Vraiment le. On a du mal, je sens vraiment qu'on a du mal côté Glow. C'est un peu mieux, mais on a encore du mal à approcher et à toucher cette Inkling. Alors que Inkling vraiment se balade tranquillement. La mobilité d'Inkling est clairement un atout non négligeable dans ce match-up. Ça, clairement. Ce side B, on reprend un peu le contrôle du terrain. Malcam, on a du mal. Offstage. Aïe. On se fait du coup un peu gimp, on pensait qu'on allait voir tech, donc on fait star dodge et malheureusement non, on tombe dans le vide. On se fait gimp. En effet, la victoire de Glow pour cette game 1, Glow qui a été... de Eltroy, excusez-moi. S'il vous plaît. La victoire d'Eltroy pour cette game 1. Je sais pas vraiment ce qui va pas, parce que bon, c'est les deux persos, mais j'arrive pas vraiment ce que... Enfin,
Je crois qu'il me manque un truc à Glow parce qu'il n'arrive vraiment pas dans le neutral ou même simplement en avantage. Avantage, il a du mal. À part au sur deuxième stock, au début, il a trouvé un bon combo, il a mis 70%, après, ouais. C'est tu que vois, des petits pocs, il n'arrive pas à toucher. Clairement la mobilité, je pense que c'est clairement la mobilité Tinkling qui fait défaut et à... Et le dash, ouais. C'est ça. Je pense que c'est très compliqué. C'est le dash et la mobilité Tinkling qui fait défaut à Bowser Jr. qui a un gameplay, j'ai l'impression, un peu linéaire, qui n'arrive pas trop à s'en sortir sur des phases un petit peu tricky, sur des phases où... Il faut avoir des outils pour s'en sortir, il faut avoir des outils différents. J'ai l'impression que Bowser Jr. on les a pas tous. Et c'est ce qui parfois lui fait défaut. Ce qui parfois lui fait perdre les interactions qui pourraient sembler safe. Je pense au rouleau. Je pense au rouleau, il y a. Après, on n'a pas encore ça parce qu'on n'a pas réussi à se prendre. Enfin, on n'a pas été puni sur les rouleaux, mais c'est qu'on a pris combien 4 ou 5 ? Ouais. Donc, dessus qui perd la stock, faut éviter. C'est vraiment le kill option. C'est vraiment c'est la meilleure kill option de Vikings. Le rouleau, c'est vraiment ça tue très très bien. Donc, vraiment éviter ça le plus possible. C'est et on part sur DC. On part sur DC pour cette game 2. Le skin a été changé du côté d'Eltroy. Est-ce que ça va changer quelque chose à cette game? Je pense pas. Après, faut quand même. Là, c'est un peu plus patient. On sent Glow plus patient, il rentre moins dans le tas. Et ouais, on voit ce neutral B hein, qui, mine de rien, repousse le. Ah, peut-être là. Ok, on est patient. Vraiment, ouais, c'est très patient. On est patient. Que là, c'est vraiment, on n'approche pas, on laisse le venir, mais. Le bouillard. Eltroy qui trouve un truc. Non. On trouve un bon combo, mais... On voit qu'on est confiant de la part d'Eltroy, et on vient chercher on les... On vient chercher, mais ça peut être dangereux quand même, on va pas, ouais. Pas trop aller chercher quand même, hein, Bowser Jr. Parce que ce qu'on s'expose après, ça t'envoie de l'autre côté, hein. Ok, ce grab qui va être suivi d'un tilt, d'un upper, puis d'un back air. Des back air pour couvrir de la part de Bowser Jr. Petit bouillard. Surtout sur cette map TC, ça va vraiment les bouillards, on va avoir du mal à tuer. Ouais. On sent que le Glow connaissait, hein. Glow connaît. Un truc du côté de Glow, c'est que c'est mieux. C'est clair. Il y a moins. C'est un peu comme encore difficile, quand même. On sent un peu qu'elle trouve un peu l'avantage, mais il y a du mieux. Il y a du mieux. On trouve un peu plus. J'ai l'impression qu'on mixe up un petit peu plus. On est moins prévisible. On est plus patient surtout. Je pense que c'est ça. Il y a le bouillard qui tue. Le bouillard qui va tuer. Alors, je sais pas si ça dit était petit masque, c'est en partie droit. Ouais. Je sais pas du tout. À mon avis, ça. Ça l'a un petit peu surpris que ça connecte. Et bon. Peut-être un peu surpris. Et ce smash, et ce smash qui a été trouvé, qui tue aussi. On revient à Even. On couvre du coup l'approche par les airs. Finalement, c'est Even. Hein. On sent cette fois-ci qu'il est bien mieux dans sa partie, Glow, vraiment. On sent qu'il s'est repris. On sent qu'il a peut-être compris ses erreurs de la game 1. On sent déjà qu'il a compris ses erreurs et surtout qu'il a un plan de jeu c'est plus efficace. Que là, il sait plutôt ce qu'il doit faire dans le match-up. Voilà, vraiment, on le sent. Là, il est patient. Il s'en fiche même pas d'avoir le contrôle terrain. Il est patient. Il laisse venir. Et puni. Ça. Tranquillement, on va chercher les petites interactions qui peuvent gratter. Ah, l'armor, hein. C'est l'armor, ça. Là, très énervant cette armor sur le. C'est ça, l'armor qui est active pendant presque toute la durée hein, du kart. Oh, du coup, la normal getup. On saute comme dans Mario sur les plateformes. Un peu dangereux quand même d'avoir ce side B en dehors du terrain, mais on remonte. Ah, ça a été ride hein, par Eltroy. Pour le saut. Ouh là là, une ride peu dangereuse quand même, parce qu'elle avait pu se retourner contre lui, mais du côté de Glow, on a préféré sécuriser en revenant plutôt vraiment par le haut pour éviter le smash au cas où. Un peu couillu si je peux me permettre. Un peu couillu. On peut se permettre, parce que c'était quand même couillu de mon côté. La dash attaque qui a surpris, il a toujours pas été sorti depuis le début de la game, je crois. Attends, je crois pas que c'est une très bonne option. Et ce rouleau, ça prend la stock. Ça va tuer. Ah oui, parce que je crois que cette dash attaque n'est pas une très bonne option du côté de Bowser Jr. Alors faudrait peut-être demander, parce que. Pas l'expert en besoin, mais elle est très peu vue. Le F-Smash qui couvrait encore une fois le saut. On revient à Even. C'est Even, vraiment, la game elle est étonnante comparée à la game d'avant. Ah, peut-être là, Eltroy qui passe la vitesse supérieure, j'ai l'impression. Bouya, là, il est agressif. Ça va connecter. Là, cette fois-ci. C'est ça. Là, on a compris que du côté d'Eltroy. Déjà, on était un peu. Et l'armor. Hein. Plus. Ce rouleau qui sera puni forcément sur le shield. C'est ça, les sorties, le nerf en sortie de shield qui est très très puissant. Est-ce que ça va connecter? Oui, est-ce que ça va suivre? On non. On trouve les tech chase quand même du côté d'Eltroy. Hein. Et on trouve les grabs, on trouve tout. Ouh, on essaie le two frame sur le bon smash. Encore une fois, le rouleau qui s'est encore puni. Le petit canard, le coin-coin qui va pas toucher, qui va être le saisi. Canard qui va être récupéré. Dans le vent. Encore une fois, le biffy. Et c'est le rouleau. Et je pense est-ce que ça va. Est-ce que c'est mort? Non, on a paniqué, on toujours a pas. Le smash, ça tue toujours pas. Mais 56%, ça fait peur. Ah mais 160, alors là il y a presque tout qui tue. Hein. Là ça va être compliqué pour Glow. Strap. Cancel le side B. On a du mal là. Là maintenant on joue patient du côté d'Eltroy. On sait qu'on a l'avantage.
rien peut tuer alors que nous on est encore loin de mourir. Un back air de sortie nulle part peut tuer. Oh, le Bibi, c'est pas un rare rapide de enfin, sortie. Oui. Ok. On a trouvé ça. Du côté de Glo. On teste. On essaye hein. On teste, on les strappe. On essaye, ça peut surprendre hein. C'est ce qu'il faut dans cette fin de partie hein. De la surprise et le rare back air qui va être trouvé de la part d'Eltroy. Ah malheureusement c'est. Enfin la déception hein, du côté de Glo. Il sentait qu'il aurait pu la prendre. Il l'a senti, il a appliqué un meilleur plan de jeu, un bon plan de jeu pour cette game 2. Je sens que du coup ça a bien marché à la fin parce qu'il était patient pendant on va dire tout le long, il était très patient. Et vraiment à la fin il a commencé à avoir un côté vraiment bah, déjà plus agressif, on le voit justement dans son les straps, il était agressif à base de, ouais. Mais on l'a vu aussi quand il est revenu, il a fait trois fois ce backer alors qu'il venait de lâcher le B. Il y a un côté plus agressif qui a bien marché, mais malheureusement, on prend ce nerf, la tech chase sur la plateforme. Ouais, malheureusement. Le rare backer.